For so long, I was living my life. Oh, so wrong. Always numb in my mind. That old on. Building scars from the knife. So far gone. I was blind. So now. Hello, la famille! Là, je me retrouve chez Costco. Je suis venue faire quelques courses. Hein, et je regarde aussi que Costco a soldé pas mal des parfums de marque hein, de 100 ml. Mais c'est ça. Allez-y, profitez. Voilà, donc le parfum, il est à 69$. Moi, j'ai profité. Donc, c'est le moment. Si vous voulez offrir un cadeau ou bien pour vous-même, allez-y chez Costco, mes sisters. Donc, là aussi, je vois... là, Costco a soldé aussi le air fryer à 59$, mes sisters. Donc, profitez pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez vous offrir un cadeau à vous-même et pourquoi pas à vos proches. Il y avait aussi des cafetières. Voilà, moi, j'étais pressée. Bonjour mes sisters, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Et donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mes sisters. Dans cette vidéo, on va organiser la cuisine. Et ensuite aussi, j'ai une recette à vous partager. Et je vous partage aussi ma vie de maman, voilà. Je suis sortie avec les petits, voilà. Et j'ai aussi ramené le grand chez le dentiste. Tout ça, je vous partage dans cette vidéo. Mais pour ça, on va d'abord commencer avec l'organisation de ce que j'ai pris chez Costco. Voilà. Donc, quand je suis rentrée chez Costco, j'avais mal à la tête. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout mis dans le frigo. Et ce qui allait au frigo, j'ai mis dans le frigo. Ensuite, quand je me sentais un peu mieux, voilà, je me suis dit, là, Karine, il faut ranger. Vu que j'avais mis les cartons dans le frigo, on sait que c'est pas bien. Donc, du coup, j'ai pris le vinaigre blanc pour nettoyer là où j'avais déposé les cartons de yogourt et de fromage. Mon bébé Nolan, lui, il est sensible hein, au placard. Dès qu'il voit les placards sont ouverts, ça veut dire qu'il doit passer manger, même quand il n'a pas faim. Il vient toujours pour venir prendre quelque chose. Donc là, mais c'est ça ce que je fais. Je bloque mon placard. Je prends un torchon ou bien je prends les lingettes sèches et je bloque. Comme ça, dès qu'il voit qu'il s'est fermé, il ne va pas ouvrir. Il avait déjà pris le yogourt, il a déjà pris le yop. Là, il vient juste pour jouer avec en fait. C'est juste l'envie, hein. Donc il sait pas que c'est pas le moment, il n'a pas faim, mais c'est juste pour déranger. Donc du coup là, je retourne dans ma vue de maman. Vous allez voir qu'ils n'arrêtent pas de déranger. Là, je suis entre, j'ai pris un peu de temps pour m'organiser, mais les enfants n'arrêtent pas. Maman, maman. Des fois ils appellent, tu dis oui, mais ils ont rien à dire en fait. Et du coup là, c'était ça, ils n'arrêtaient pas d'appeler, tandis que moi je voulais pas arrêter. Ils voulaient que je monte pour aller voir quelque chose, mais j'ai pas le temps pour le moment. J'ai dit attendez, j'arrive, attendez que je finisse en fait. Voilà, après je leur comprends hein, quand maman est à la maison, ils ont besoin que je sois là pour eux. Voilà, mais pour comprendre que maman elle travaille, des fois c'est un peu difficile aussi. Je sais pas si ça vous arrive aussi les mamans, mais voilà. Donc j'attendais que je puisse finir, après je vais aller regarder ce qu'ils sont en train de demander. Voilà. Et donc là, je peux pas continuer la vidéo mes sisters sans vous dire merci. Donc, je tenais à vous dire un grand merci, mes sisters, pour votre soutien, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je tenais à dire aussi, à souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci beaucoup. Mes abonnés du Maroc, il y a beaucoup, 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 beaucoup des abonnés actuellement qui m'écrivent et qui me disent qu'ils me suivent depuis le Maroc. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes sisters du Maroc. Je vous fais des gros bisous. En tout cas, bisous à vous, mes sisters de la Martinique. Je dis aussi un grand merci, mes sisters de France. En tout cas, de partout, pas de jalousie. Norvège, Suisse. Ah, je vois les statistiques de YouTube qui me montrent là où vous me suivez. Franchement, je vous dis merci, merci beaucoup. Là, j'ai fini avec l'organisation. Mais c'est ça, je vous montre un peu au niveau de placard. Voilà, c'était comme ça. Et
Là, j'ai acheté les pâtes d'ours parce que mon bébé, sans pâtes d'ours, c'est compliqué. Et là, c'est en fait les avoines hein, en paquets individuels que je prends comme ça. Vu que actuellement, je suis en train d'essayer de jumeler et de vérifier un peu mon alimentation, j'essaie de m'organiser comme ça de ce côté-ci. Donc chez Costco, j'ai profité de prendre aussi les saucisses, ensuite le poulet. Voilà, après j'étais passée à Maxi, là où j'ai pris les blancs de poulet pour Yaya qui voulait manger le wrap demain. Voilà, et là c'est les épinards, hein, la viande avec les épinards que j'avais préparé. Ça faisait au moins 2 jours si je me trompe pas, donc je dois manger ça ce soir même. Voilà, et donc là je finis un peu avec l'organisation. Passer à la recette maintenant. Donc ce que j'avais fait en avance, j'avais déjà assaisonné ma viande, donc c'est une viande très tendre. Et donc après ça va être accompagné avec les épinards. Dans les épinards je veux mettre l'haricot vert, champignons et crevettes, mais c'est ça. Voilà, donc ça sera ça. Et ensuite aussi on va mettre un peu de poivron jaune, et ça c'est des crevettes séchées, je l'avais déjà mis dans l'eau. On va mettre l'oignon rouge aussi et avec un peu de l'oignon vert. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer avec la recette. Donc là, mes sisters, je vais préparer la viande et les épinards en même temps, mais sur deux feux différents. Donc sur la première casserole, j'ai mis l'huile, j'attends que ça chauffe. Pendant ce temps, je vais prendre ma viande et je vais la mettre dans la casserole. Je ne vais pas mettre d'eau ni de matière grasse, je vais juste refermer le couvercle. Et une fois que la casserole prend chaud, ensuite je vais diminuer le feu et donc ça va être cuit avec l'eau de la casserole, avec l'eau de la vapeur en fait. Et donc dans cette casserole, j'ai pris les oignons, j'ai mis les oignons parce que les oignons rouges en fait, ça donne un peu le goût un peu de sucré là. Donc du coup j'attends, une fois que c'est un peu cuit, j'ai mis les champignons. Ensuite là je viens de mettre les haricots verts. Voilà, donc je vais tourner un peu. Les haricots verts et le champignon c'était dans le congélateur, donc c'est en surgelé. Voilà, donc du coup là je vais rajouter l'ail haché, que je prends l'ail haché de Dollarama. Je vous assure que mais c'est ça, c'est trop bon en fait, même pour l'assaisonnement des poissons et tout. Moi j'adore hein, quand j'ai la flamme d'écraser l'ail, donc du coup ça m'aide beaucoup. Et du coup là je viens de mettre les crevettes fumées. Voilà, donc juste là on va laisser que le goût se mélange un peu et après on viendra mettre les épinards tout à l'heure. Donc là ce que je viens de faire, je viens de rajouter juste un tout petit peu de bouillon de poulet pour donner encore un peu de goût. Voilà, et j'ai mis aussi un peu de poivre noir hein, très légèrement. Et maintenant là, je rajoute les poivrons que j'avais coupés dedans. Voilà, comme ça, au niveau de la couleur, ça, je trouve que c'est joli. Donc, je vais attendre quelque chose de 2-3 minutes. Ensuite, on va rajouter les épinards. Et donc là, vous voyez, après avoir fait le mélange de tout, les épinards, elles sont un peu secs. Ne vous inquiétez pas, on va rajouter un peu d'eau pour que ça soit un peu juteux, pas trop sec. Et donc là, mes sisters, on va aller regarder notre viande. Comme vous pouvez voir qu'il y a de l'eau dans la casserole. Voilà, donc jusqu'ici ça va, j'ai diminué le feu. Donc on va laisser encore la viande, ça va continuer à cuire. Donc on va retourner voir les épinards. Voilà, donc là en regardant les épinards, vous avez vu que c'est un peu sec. Je vais rajouter de l'eau. Voilà, j'avais déjà mis de l'eau dans la bouilloire. J'ai rajouté de l'eau pour que ça soit pas trop sec en fait. Et au niveau du goût, quand j'ai goûté, j'ai vu qu'il fallait que je rajoute encore un peu d'ail et aussi.
Et donc, sister, si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, que Dieu te bénisse abondamment. Moi, c'est Karine, maman de 4 garçons. Et donc, sur ma chaîne, je partage la cuisine comme aujourd'hui, organisation comme aujourd'hui, décoration, deal, motivation, ménage. Et donc, sister, on dirait c'est la vie de maman en général. Et donc, si c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi et sonne à la cloche de notification. Comme ça, tu vas rien manquer de mes vidéos. Moi, de mon côté, je te fais des gros bisous. On continue avec la vidéo. Et donc, voilà mes sisters. Là, je viens de vous montrer la viande. Comme vous avez vu, la viande, elle est devenue maintenant... l'eau est partie. La viande, elle est devenue un peu frite. Donc, on va venir maintenant préparer les légumes qui vont aller avec la viande. Maintenant, on a fait frire nos oignons. J'ai pas mis beaucoup de matière grasse parce que dans ma casserole, je trouvais qu'il y avait, un peu de matière grasse déjà. Donc là, au niveau des légumes, j'ai juste mis très légèrement un peu d'huile végétale. Je viens de faire le mélange d'oignons rouges, oignons blancs, voilà. Et trois couleurs de poivron rouge. Non, j'ai fait le jaune. Un peu d'oranger aussi, il y en avait. Et le jaune, hein, voilà. Donc là, vous voyez, il y a un peu d'huile dans la casserole. Tout à l'heure, on va faire le mélange de tout. C'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de matière grasse. Donc, la matière grasse aussi à éviter. On ne doit pas trop manger hein, pour notre santé, mais c'est ça. Donc, voilà. Donc, je viens rajouter la viande dans les légumes avec l'huile, bien sûr, la matière grasse qui était dans la casserole. Comme ça, ça va rajouter encore un peu de goût. Dans mes légumes, j'ai juste mis un peu de sel. Hein. J'ai pas beaucoup assaisonné les légumes parce que je savais que ma viande, elle était bien assaisonnée. Donc, ce que j'avais mis dans ma viande, les assaisonnements, voilà, poivre blanc, citron au poivre, un peu de paprika, un peu de moutarde, voilà. Donc, vous assaisonnez comme vous voulez, mais c'est ça. Et après, vous pouvez faire ça. Je vous assure que c'était vraiment du yummy, 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 là. Je voulais que les poivrons soient croustillants. Et donc, regardez là, mais c'est ça, c'est cuio, c'est bon. Maintenant, là, mais c'est ça, j'avais plus le manioc. Et j'attendais que papa me ramène les bananes plantain pour qu'on mange avec... C'est un peu du gaspillage, mais on revient avec le manioc bientôt, mes sisters. Voilà, mes sisters. Donc là, c'est les épinards qui est bien cuit avec les crevettes champignons. Essayez la recette, mes sisters. Si vous l'avez déjà réalisée, n'hésitez pas aussi de me dire en commentaire ce que vous rajoutez en plus. Ça me fera plaisir de vous lire quand vous savez qu'on est là pour se partager des idées. Et donc là, mes sisters, voilà, dans les prochains jours, je t'ai sorti avec les enfants. Ça, c'est mes deux bébés à la garderie. Donc, on était parti pour cueillir les pommes. Vous savez que ça fait un moment, hein, que c'était la période de pommes. Voilà, mais je vous partage ça maintenant. Ma vie de maman, comme je me divise, mais c'est ça. Donc là, on était allé à la sortie de la garderie. On a passé des très bons moments. On a beaucoup aimé. Hein, donc, on a visité aussi des dépouves. Vous voyez, on a tout visité. Les cochons, c'était un peu... Il y avait beaucoup d'affaires, mais c'est ça. Mais vraiment, pour faire plaisir aux enfants, il faut participer à des sorties, que ce soit de l'école, que ce soit des garderies. Ça fait plaisir aux enfants. Hein. Ça aide aussi les encadreurs, ça aide les enseignants. Ça fait vraiment plaisir aussi, mes sisters, de rencontrer aussi d'autres parents. Et donc là, mes sisters, c'était le lendemain. J'ai accompagné mon grand, mon yaya, hein, mon premier fils. Je l'ai accompagné chez le dentiste. Voilà mes sisters, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné, sisters, abonne-toi, n'hésite surtout pas et sonne à la cloche de notification. Comme ça, tu vas rien manquer de mes vidéos. Voilà mes sisters, pour aujourd'hui, la vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. De mon côté, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.